Les moutons ont des souvenirs. Tu sais, de la vie d'avant. Mon chat, un instant. Deacon, tu me reçois? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste te dire que. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à Boozer. Ouais, sûrement pas autant que lui. Écoute, Addy voulait juste que tu saches que si tu lui avais pas apporté le couteau d'amputation, Boozer souffrirait encore plus en ce moment. Ouais, enfin ça vous a juste permis de le charcuter plus facilement. Bref, on espère que. Qu'il s'en rendra. C'est mon ami aussi, tu sais. Hey, écoute. Merci de nous avoir fait entrer, Ricky. O'Brien, j'ai rejoint l'une des balises. Laquelle? Comment ça, laquelle? C'est Toki du Nero, un GPS intégré, non? Oui, bien sûr. Mais... je vois. Vous êtes à Olali Falls, parfait. Ouvrez bien l'œil. Un agent va arriver d'un moment à l'autre. Terminé. O'Brien... oh, fichu. O'Brien, répondez. Vos amis sont là. O'Brien! Je vous l'ai déjà dit, ce sont pas mes amis. Ok, allez-y à pied. Ouais, je sais. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que j'utilise un de ces traceurs? Non, pas cette fois. Je m'en occupe. Suivez la chercheuse. Elle est venue enquêter sur un sujet infecté, un mutant, qui a été repéré dans une grotte voisine. Grotte? Vous voulez que je suive des gorilles armés du Nero dans une grotte? Contentez-vous de rester à proximité. J'intercepterai ces données tant que vous serez à portée. O'Brien! Je cherche toujours vos infos. Ne posez pas de questions. Alors ça sert à quoi que je vous parle? Terminé. Lance radio. C'est bon? R.A.S. Ok, je suis bon.
Brian, répondez. Je vais les donner. Oui, je les reçois. Merci, Drifter. De quoi est-ce qu'elle parle, O'Brien ? À propos de ce virus ou je sais pas quoi ? Et à propos de ce qu'il fait ? Je veux savoir ce qui se passe, O'Brien. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Et vous, qu'est-ce que vous foutez ? O'Brien ! Ok. Je vous recontacterai. O'Brien, terminé. Grosso merdo, ouais. Bon, je peux pas t'en vouloir. En tout cas, j'ai que toi sous la main. Alors passe à l'atelier de mécanique. Ouais, j'ai du boulot pour toi. Ouais, ça roule, terminé. Deacon, tu me reçois ? Ouais, Ricky, qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais juste te dire que je suis désolé pour ce qui est arrivé à Boozer. Ouais, sûrement pas autant que lui. Écoute, Maddy voulait juste que tu saches que si tu m'avais pas apporté le couteau d'amputation, Boozer souffrirait encore plus en ce moment. Ouais, enfin, ça vous a juste permis de le charcuter plus facilement. Bref, enfin, j'espère que... ça me fera. Ça me connaît aussi, tu sais. Hey, écoute... Merci de nous avoir fait entrer, Ricky. Faut que j'y aille. Terminé. Adi, t'es là ? Deacon St. John à l'infirmerie de Lost Lake, répondez. Dick, salut. Je suis un peu à l'ouest, tu te doutes. Ça va, toi, qu'est-ce qu'il y a ? Salut, Boozer. Rien. Oh, je m'emmerdais à écouter Radio Libre Oregon. Les théories du complot, ça va 5 minutes, quoi. Nick, Adi m'a dit... tu m'avais sauvé la peau. On cherchait des anti-machins, mais non, rien. Boozer. Ça devait être sympa. Tenir pendant qu'elle me charcutait. Je te rappelle comment Jack avait découpé cette dinde la dernière fois qu'on s'était retrouvés. Elle arrêtait pas de glisser sur cette foutue table. Ouais, je m'en souviens. Je m'en sens encore, tu sais. Couteau. Pire que le Reaper. Si elle n'avait pas été là, on va venir. Je sais pas ce qui aurait pu se passer. T'es carrément pas. Et c'est fait maintenant. Adi va me trucider si elle te voit faire l'imbécile hors du lit. Ouais. Vraiment pas vraiment dit. J'attends bien qu'il m'appelle. Terminé. Écoute, Boozer.
mutants contre maraudeurs. Ouais, c'est ça. Butez-vous, les gars. Salut, c'est encore moi. Au final, j'ai emmené Boozer au camp de Lost Lake et... Je sais, je t'avais dit, j'y remettrai jamais les pieds, vu qu'Iron Mike veut me faire la peau, mais... J'ai pas le choix. C'est Boozer. Il était sur le point d'y rester, et malgré ça, il refusait toujours d'y aller. Moi aussi, Irma. Et comme je disais, j'ai pas eu le choix. Et lui non plus, alors il... Il a perdu son bras, de toute façon. Et maintenant, il est bloqué. Enfin, on est bloqué. Cet enfoiré de schizo. Je sais plus si je t'ai déjà parlé de ce clown. C'est le genre de mec à se réjouir que le monde soit parti en sucette. Il dit qu'il faisait partie d'un gang à Sacramento ou Fresno, je sais plus. Mais il est pas du coin, en tout cas, ça, non. Il dit qu'il trafiquait des armes et de la drogue de la Californie vers l'Oregon quand tout a dégénéré. Tu veux savoir ce que j'en pense? C'est du pipeau, à mon avis. Je trouve qu'il a une gueule de petit étudiant, là, genre à jouer à la crosse, à vendre du soda au supermarché. Non. Je le vois bien avoir un job de planqué dans le cabinet comptable de papa. Faire des photocopies, apporter le café, tu vois le tableau. Il devait toucher en un jour ce que je me faisais en une semaine. On jouait à ça, Boozer et moi, avant de quitter Lost Lake pour de bon. On appelait ça le jeu du « qui t'étais ». On observait quelqu'un et on essayait de deviner ce qu'il ou elle faisait avant que le monde porte en couille. Mais bon, j'ai surtout rencontré des toxicos ou d'anciens tolards. Jamais aucun comptable. C'est logique quand on y pense. Les premières semaines après la catastrophe, la vache quelle merdier c'était. Enfin, je vois pas comment un comptable aurait pu s'en sortir. Je sais pas, peut-être que Schizo dit la vérité. Je suis content que t'aies pas eu à vivre tout ça. Bref, Boozer et moi, on voulait partir au nord, échapper un peu à tout ce bordel, mais ça risque pas d'arriver avant un moment. Si ça arrive un jour. Mais faut voir le bon côté des choses, ça veut dire que tu vas devoir me supporter encore un peu. Bon, je repasserai plus tard. À plus. Et voilà. C'est bon.
toujours utile. La ferraille. Salut, Deacon, c'est ça? Comment ça va, Zanny? Tu l'as pas ménagé, dis donc. À plus. Ouais. Deacon, tout va comme tu veux? Ok, je vois le genre. À la prochaine, Dick. Comment va? Hé, hey, Zanny, t'arrives à garder les mains propres. Attends, j'y vais.
Lui. Au moins de problème, on retrouvera.